Dans le cadre de votre émission Equistique, mesdames et messieurs, nous sommes très ravis de vous rencontrer une fois. Nous voulons savoir ce qui est devenu ce que nous appelons communément Salongo pour chaque samedi dans la ville-province de Kinshasa. Hier, c'était une activité presque obligatoire où tout le monde s'est mobilisé pour descendre sur le terrain et puis faire quelque chose qui peut embellir la ville, qui pourra changer la physionomie de notre capitale et surtout dans nos quartiers à venir. Mais certainement, on commence à constater une forte négligence. Personne ne veut faire quelques de ces activités alors que tout le monde veut une ville propre, tout le monde veut une ville digne de son nom. Alors, votre émission équistique est descendue dans le quartier Jamaïque. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'enquêter, uniquement des enquêtes sur le terrain, de savoir ce que font la population. Mais curieusement aussi, nous avons surpris une coordination des ONG sur le terrain en train de faire ces activités. Alors, nous voulons quand même nous intéresser sur ce qu'ils font, le message qu'ils font passer et puis tout ce qu'ils sont en train de donner comme possibilité. C'est pourquoi nous descendons et puis nous continuons à faire la ronde. Ce que nous allons faire, c'est pour commencer à réveiller la conscience de tout un chacun. On suit d'abord tel qu'ils font les travaux et puis on reviendra pour faire les constats et surtout parler avec cette population qui travaille dans ces terrains. Ils vont se faire identifier pour savoir ce qu'ils sont et qui ils sont et comment ils le font et ils sont motivés par quoi. Alors nous sommes présents. Descendons avec Gino Sélémane, comme ça nous allons constater ce qui se fait réellement. Mbote, papa. Comment ngai, monsieur Toussaint Ndala. Ozanania. Awa nazali coordonnateur ya ba chef de rue nyonso ya quartier Lubudi Nganda. Na commune. Na commune Kintambo. Voilà, tokuti bino na ba kombo, na ba na balaba na ba pousse bozo salani. Tozali kosala éveil ya civisme ya quartier na biso. Parce que to ba habitude yo to e bakango na tangwa kala, mais à un certain moment e bunga ki biso na mutu, parce que to e baki susuté e loro nini sengeli pona to sala to koma ki to la muki na tongo di boso ya lopongo na biso salité tozo ki pété tozo kende na biso to ando kanselo la l'état a royase la biso likambo. Or siko yo na elulu oyo ya ba chef de rue ya ba coordination et telemi pona kozwa likanisi ke mutu na mutu na quartier na ye ayeba ko bongisa liboso na ye pe na kati ya lupango na ye pona to kimisa o etali bosoto na quartier petit na ville na biso ya Kinshasa. Quartier na ye eza na combien de rue? Quartier na nga eza na 54 rue. Lelo bo travail na combien de rue? Lelo tozo travail na rue principale oyo ezali rue Bompete. Oyo ezali rue oyo papa na biso colonel Bompete atikela biso yango to pambaki yango kombo na ye mpona tolakisa elembo oyo ya malamu oyo papa asalela biso na quartier yango to bandaki na avenue principale ya Bompete. Est-ce que ba chef de rue ba ezoyo ka message o pesaki pour que ba participer na ba programme oyo bo lancer ya assainissement? Oui, ba chef de rue ba yokaki yango principalement nazana na chef de rue oyo atali avenue oyo Bompete. Tous en aller sur place, azo travailler pe, azo répondre à combo ya papi taile, yende chef de rue à avenir Bompete. Alors initiative ou outil par yonani? Initiative ou outil par la coordination communale ya Kintambo nde atindi biso pona to sala musala oyo. Metta kati otokuti manaba tabao ni jeune na kati boyebi bango. Oui, naibi bato ONG oyo, tout d'abord l'autorité
municipal à travers en collaboration avec ONG. Il y a un landé, bisopé, na niveau ya quartier. Et Sengeli tout travaille avec ONG au basé sur place dans quartier. Il y a un landé local, il y a autorité municipale. Il y a maman na biso inona yende aza bourgmestre ya commune à Kintambo. Ce que vous pouvez décrire, misala ya ONG oyo OPBS. Ndezo sala musala wana ba organiser mususu ba accompagner bango. Oui. Identité nino ko ko pesa bango. Bazali banani vraiment par rapport na milier na bino. Oui, OPBS eza ONG oyo etali makambu ya assainissement. Yangwana na sollicita ki bango na ndenge elongo bani, na ndenge ya mikanda ya l'état. Alobi l'état roro travaille moroté, il faut toujours à associer ba ONG ba ASBL pour na azala makasi. Yangwana na associé ki ONG oyo azana kati na ya quartier na biso OPBS. Donc ba limba kité ba lobi ba soutenir l'autorité municipale na ba œuvre né nyonso oyo ba rosala. Alors na population, est-ce que message na bino le kaki ou bien bozo le xanga kasiko pour que bo talaka po ba media ba ye a ou bien message na bino ibanda banda kala, est-ce que monsieur message ngope ba zutu bazo yoka? Oui, message na biso oyo ebanda kala sensibilisation mobilisation ebandaki déjà après près de 2 semaines pour natwanda ko leka na mégaphone toujours sensibiliser pour na ko pesa bango baye ba civisme na mitu na bango parce que kambo ya civisme ebungaki en tout cas population congolaise na mitu siko il faut tout ça la éveil wana ya civisme na mitu ya population pour na population aye ba kozwa en charge nini na ye propriété ya environnement na ye parce que environnement ezali eloko mutu ya oyo il faut tout battre là. Est-ce que les lobato ba bo ya kosala ba kokomba ba bo kokomba libosa mapango na bango bazala sanction moko? Oui, ba oyo nanu arobo ya kokomba libosa lopango na ye d'abord de 1 à respecter mibeko ya autorité municipalité. Donc nengezali na mikoleko ya ba kozala sanctionner parce que oya lelo nengeza déjà action tozo mené tozali na liste oyo tozo répertorier ya mapango nyonso toye ba ke pango tel asali oyo asali te mano na bango kozala parce que l'état ye amusala na yeza soki muto a obtempérer na mibeko ya l'état te il faut mano ezala soue na opona kakase na ezali nini par rapport na makambo ya senisma. Na makambo itali assainissement na rolinga quartier na ngai ezala peto de façon que soki ba kondia likolo ba ye par exemple d'être gouverneur ou bien mama bourgmestre aye konyata makolo na quartier aye a senti vraiment que la coordination na ba ONG bazo travailler en collaboration et ba mona peto na kati ya quartier na biso. Topesi matondi. Merci beaucoup. Mbote baba. Mbote. Kombo nani? Journaliste. Kombo nanga papi Tayele. Kozana nani? Nga naza chef de rue ya avenue Bompété
na quartier Nganda Lubudi. Alors avant tout côté déjà makam tout côté les bino na terrain to ko yebo musala chef de riz ezarani. Bon, musala chef de riz ezar premièrement qu'on s'occupait na ba assainissement et puis les besoins de la rue par exemple mon avenue. Donc il y a récolter les données de la population, tous les problèmes qui se posent. Alors on soumet au chef de rue et à partir du chef de rue, nous allons aussi soumettre aux autorités qui seront compétentes pour les problèmes concernant peut-être la sécurité et puis bon, assainissement comme je l'ai dit. Donc un peu sur tous ces plans-là. Alors sur terrain, tu as tu bino na bande ko ya ba ONG, tu veux lancer message à côté de ça ba to ba bi ba kombola. Bozo ça là effectivement nini. Bon, awa to lancer opération Salongo. Salongo général donc assainissement avec ensemble avec l'ONG OPBS na coordination ya ba chef ya quartier. Donc, te lancer appel là parce que tu constater parce que notre quartier Oyo, à l'époque, vraiment, c'était un quartier vraiment résidentiel. C'était vraiment très pauvre, mais on a constaté qu'il y a eu un peu négligence par rapport à l'époque, les chefs de rue, Bazaki, vraiment, pas vraiment, on les sentait pas vraiment sur terrain. Mais alors, nous, comme nous sommes la jeunesse, nous voulons apporter un vent nouveau. Toujours mes mamans, mon pépé mort et assika. Donc, apportez-moi un renouveau moro dans le quartier. Et essayez un peu de remettre la beauté d'antan du quartier. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Il y a moi là, tu as lancé appel, il y a Salongo, chaque parcelle. Et Kokako Bimsa, Kokombo Laliboso, une affaire de 2 à 3 mètres de leur parcelle. Babimsa Labiso, Kokombo Laliboso, sachez qui traînent sur la rue. Et. La coordination est là ensemble avec l'ONG OPBS. Donc, tu as récolté ordures pour aller évacuer ça dans la poubelle publique. Est-ce que le message est bien passé par la population? Bon, en fait, là, c'est un nouveau lancement. Ils ont un lancement les gens sont. Bon, on a commencé déjà à partir de. Ça fait avant-hier. Déjà, ça fait 3 jours que tu as déjà opération pour lancer le message. Bon, d'autres personnes basant un peu dans nos froids, mais au fur et à mesure, nous avons un monisosco sur terrain, toujours l'exemple. Et ensemble, la population maintenant va pouvoir suivre. Exemple, il y a Bissomoko, autorité, chef des rues. Et ensemble, la population va nous accompagner dans cette opération et qui va continuer comme ça. Donc, c'est pas que des Suki Kakawa. Donc, on fera comme ça, peut-être chaque week-end. Pour continuer ce genre d'opération. L'opération est bandit depuis combien de temps? Bon, l'opération a commencé déjà depuis, ça fait 3 jours qu'on a commencé à lancer cet appel. Donc aujourd'hui, c'est la première activité sur le terrain. La première activité sur le terrain, donc c'est samedi. Donc nous voulons lancer cette opération chaque samedi, qu'il y ait un salon. Alors ensemble avec la population pour que les avenues soient quand même assainies et puis... On va aussi... nous contribuons du genre l'action du gouverneur Kimbo Peto. Donc, nous sommes aussi en train d'accompagner cela dans nos quartiers pour rendre aussi notre commune aussi propre. Alors, population Oyo, à Kokombolaté, de Bosolopangona, et Azo risqué nini. Bon, population Oazo Kombolaté, parce que tu as lancé déjà à Peloana. Population Oazo lancé, Azo respecté, tu es aligné au Salaté. Et Torbanoyor Tika ba amende. A risqué à nos amende naé, à Robano Fouta amende, parce qu'il faut que nous assainissions Liboso Abanda Kunabiso. Mais quand tu ne veux pas rendre ton endroit propre, tu auras ton amende. Alors, mais il y a. Un quoi que peut-être vous pouvez rencontrer sur le terrain. Vous voyez que depuis un certain temps, cette opération avec samedi Salongo, et ça m'a presque le sous-souté. Mais on a constaté que c'est plus les policiers qui ont les caca, qui ont quelque chose, et pas les colobins, qui ont fongoli, qui ont quelque chose, 500, 1000 francs, 10 000 francs, ça dépend, au fongoli. Les lobbies vont lancer cette opération. Est-ce que vous ne serez pas en contradiction avec les policiers et le terrain? Non. Si on avait constaté qu'il y avait avant les policiers, c'est parce qu'on ne sentait pas avant. Cette présence-là des chefs de rue. C'est ce que je disais, que nous sommes un vent nouveau de la jeunesse
nous nous sommes réveillés donc pour essayer de jouer ce rôle-là des chefs de rue, parce qu'à l'époque, on ne sentait pas, on ne voyait pas les chefs de rue sur le terrain. Alors, c'est la raison pour laquelle tout le monde dit bah, policier. Bon, bah, policier, bah, comme on jouait un bah, rôle, wana, bon, ils viennent collecter dans la boutique et autres. Mais là, maintenant, nous nous sommes levés, nous sommes là, nous avons pris la relève des chefs de rue. Alors, nous devrions maintenant jouer notre rôle. Nous jouons maintenant notre rôle en ces instants. Un mot d'encouragement pour nos ONG et pour accompagner Bino. Bon, en tout cas, c'est vraiment un coup de chapeau pour ce coup de pouce, que l'ONG nous donne. Donc, ça nous permet, ça nous motive aussi, ensemble, avec la coordination, pour pouvoir vraiment assainir notre quartier, rendre notre quartier vraiment plus beau qu'avant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mbote maman. Ah, mbote papa. Sur terrain, ba combo, ba raclette, ba élément nso. D'abord combo nani. Ah, combo nangai ba o yebani hein. Mama saye biongo ani. Mama ni boso sala nini na ba combo ba raclette, ba bourge, ba brouette, ba pousse. Ah, ndengo moni biso wana lelo toza na programme moko. Programme wana sangisi synergie moko toza na ngona kati ya quartier na biso. Tozali na coordination ya ba chef de rue, tozali na OBPS, donc ezali une organisation de la société civile et accompagné aussi na action Kitambo. Pe comité local de développement na biso ezape na katikati na biso, mais ba synergie on essaye na biso que tozala un vaste programme que nous appelons l'assainissement citoyen. Donc to simbi ba Kongo lelo lancement ezali sur avenue Bompete. Yango moni biso. Assainissement citoyen. Beaucoup de gens qui s'habillent dans ma canisse, ils ont un peu de temps pour que je sois propre. Mais ça, j'ai besoin de lancer dans le ciment.
Omoni assainissement citoyen, il faire comprendre na moko moko ya habitant de la cité qui s'appelle citoyen. Aye baye que tango ye azali na kati esika bosoto soki komi ezali ye muta sali yango. Alors soki tozo bika na kati ya bosoto donc jamais to kozalaka na santé ya malamu. Économiquement pe tozo koma pauvre parce que maladie ezo landa biso sima ya bosoto wana. Donc to lingi batu nyonso ba telema tata mama na kati omoni même mwana ya muke. Tobima pour que ce qui te lobby en wesa la likamka ya sa médité donc et comme ma vie na biso mobimba ba venu eza la propre attendant ne zui makadam te eza la propre kasa eza la te molange eza la te sachet moko eza la te donc c'est vraiment comme une culture, c'est une des valeurs, la propreté quand même, la assainir le milieu en principe charge ya matiti eza pour la population et moko mebino bozo kombo la bozo lokota boke na ngonyo pour rendre bango ba feneyate. Bon, kaka ndengo lobi wana, omoneza, tobengi yango kou, hein, ya lancement. To lingi to susite bango intérêt wana. Samedi ya sima, soki bokoza ana, biso bokomona ke eza, sou biso teza bango moko. Nde yango wana. Message ya malamu relancé, pona batu nyonso, ouyo ba, pete bazo hésite, ba yuwa ki message, bo lancé ki pendant plus de 3 jours, lelo ba bimite, moussous ba bimime, ba zongi, ou ba bimpe ba néglige. Bon, il y a les bossos, nakanisi omoni mégaphone wane zoleka. Tolobi na bango babima, Jamaïque telema. Jamaïque eza comparé na ma campagne. Comment tokoko vivre na kati ya esika moko babengi yango résidentiel na kati ya salité. Donc totelema. Tout ni mal sous salité te. Donc on a bakondi na biso même bakondi a vie na moni na environnement to zui mama ya sika komi. To sengi ministre na biso provincial environnement yaka na biso na bompete to zo benga yo. Yaka na kati ya nganda, kati nganda eza na bosenga na kitambo eza na bosenga na mama bugumes to za na bosenga député na biso ya kitambo. À mon ami, on te tous en a besoin comme mon ami parce que ensemble tous ça nous sommes pour ça tous ceux qui va plaidoyer pour bas asphalter nous là bisous mon retour au cocaté. Donc là vous lancez coup de pouce, vous montrez implication population d'ailleurs, bah adhérer ou bien négliger. Bon et là quand on se pèle population adhérer. Déjà adhérer n'a qu'à subir nos na koloba mingité binon de bokoloba. Bien sûr c'est un peu faible par rapport à bisous bah auto women na bas Jamaïque na bas 34 ans 35 ans de vie na Jamaïque t'as commis bas coco hein. Bon, tozo senga skonde ba jeune ba zo relève. Surtout que quartier comme na ba jeune, donc ba jeune ba zo relève na bango. Donc il faut que senga yango. Tout merci maman. Merci bien na bino ba papa journaliste. Thank you.
Mbote papa. Oui, mbote. Comment on a mais c'est Jacques Kaisele. Comment yo awa na kombo. Motivation na ezali ni. Disons motivation na nga ezala ke quartier faut ezala bien. Faut soutenir bah être chef de l'état parce que alobaki faut ezala tout droit. Donc tout droit na ngolo banine. Faut banalon la propriété. Donc tant place au fan des propres vraiment tout ezala vraiment bien. Matebeli bakino abele tolo babongo babongisi mentalité wana ya kokombole boso banda ku bakantsaka keno l'état mutufa ya kobongisela bango. Lelo vino botla moki na civisme environnemental pona kolakisa batu ki d'abord ngane moko funa bongisa. Na etske za message moko patike fongo ko passer na batu nyoso. Baza na ba commune pe na ba quartier na biso. OK vraiment étant que jeune na osinga na ba jeune nyoso tout. Ba jeune nyoso oyo vraiment bazana makanisi au chef de l'état zanango. Donc biso morona photo télé maintenant nous les jeunes. Soto télémi au moins avec mboka na biso ekende liboso. Ba jeune nyoso ba télé maba bando sala ka salon chaque samedi ba caniveau ba nini et ça la vraiment bien. Donc propriété ba yeba mutu et pa na ona nous place aux ali ndeke bimali banda. Vraiment j'encourage tous les jeunes ba bana vraiment sala salon chaque samedi et ça la vraiment bien. Topesio merci ndeko. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, dans le cadre de nos enquêtes, nous avons décidé de chercher réellement la souche de toute cette information, la source de la structure qui est sur terrain, en train de réveiller la conscience de la population et qui cherche à tout prix remettre la pendule à l'air, c'est-à-dire assainir cet environnement. Parce que nous avons vu beaucoup d'activités sont exécutées dans cette voie ou cette rue. Et on a constaté qu'il y a des endroits qui étaient un peu marécagés, où on a jeté des caillasses afin de rambler pour éviter que l'eau puisse stagner. On a trouvé la population très motivée, avec une équipe très active sur terrain. Alors, nous sommes tombés sur M. Alain, qui va nous donner, Alain Venga, qui va nous donner certainement une explication sur l'initiative. Et on saura, nous aurons précisément... ce que nous cherchons sur terrain et nous allons savoir aussi la réalité plutôt sur la motivation qui anime cette ONG à œuvrer sur terrain et aussi qui est derrière cette ONG. Alors, M. Alain est avec nous. M. Alain, bonjour. Bonjour Serge. Alors, nous sommes sur terrain, réellement, nous vous trouvons. On s'est posé des questions de savoir qui est là, OPBS sur terrain. Qu'est-ce que vous voulez réellement réaliser dans ce quartier ou dans cette commune de Kitambo? Notre objectif, c'est tout simplement assainir l'environnement. Parce que vous savez, quand l'environnement n'est pas assaini, c'est source à beaucoup de soucis. Voilà pourquoi nous sommes sur terrain, assainir notre environnement. Alors, quelle est l'action principale que vous commencez à mener? Bien que la population a parlé, est-ce que c'est toujours le civisme environnemental que vous voulez ou quelque chose autre que vous voulez faire que ça? Oui, comme je l'avais dit l'autre fois sur votre plateau, c'est-à-dire dans le cadre de l'opération Kinbopeto, il y a l'assainissement d'une manière générale, mais cet assainissement-là a de sous-branches, si vous voulez. Donc là, d'abord, c'est l'aspect pédagogique de notre action,
montrer à la population que nous devons assainir nous-mêmes et ensuite impliquer cette population-là. Donc au début, c'est un peu timide, mais comme vous l'avez constaté, petit à petit, le phénomène Salongo, le vrai Salongo, est en train maintenant de revenir et c'est ça l'objectif que nous voulons atteindre. Donc, assainir avec la communauté. Qu'est-ce que OPBS a pour faire cette activité? Bon, OPBS dans son approche, parce que nous parlons de l'assainissement citoyen, OPBS a le peu qu'il peut avoir, mais OPBS a travaillé dans la sensibilisation pour impliquer la population. Donc en fait, les moyens de l'OPBS, les modestes moyens de l'OPBS, avec ceux de la communauté, ce qui fait que nous pouvons réaliser ce travail, c'est-à-dire moyens matériels, personnels et financiers. C'est peut-être en mesure d'assurer cette activité. Bon, avec les moyens que nous avons pour le moment, pour le pérenniser, non. Voilà pourquoi nous menons aussi un plaidoyer auprès de l'autorité pour que cette dernière puisse voir cette initiative louable et nous soutenir afin que nous puissions assainir et que cette initiative puisse aussi être un exemple qui peut booster d'autres coins de la ville, province de Kinshasa. Alors dans votre action, c'est une action qui ne pouvait pas... Parce que vous parlez d'une initiative qui doit partir avec la population. Qui vous avez associé pour faire face à cette activité comme partie prenante? Ah oui, bon, nous avons commencé avec la coordination des chefs de rue. Parce que vous ne pouvez pas évoluer dans un espace sans être admis par l'autorité. Et vous les avez entendus, ils ont parlé sur votre micro. Combien vous avez donné aux chefs de rue? Oh, mais rien du tout. On n'a rien donné parce qu'en fait, c'est l'autorité qui est censée implémenter le projet. Et nous, nous venons comme en appui par rapport à l'autorité. Donc, il y a donc la coordination des chefs de rue, il y a l'ONG Action Kitambo, ainsi que le comité local de développement du quartier. Bon, d'autres pourront aussi nous rejoindre dans cette action. C'est d'abord cette synergie qui a commencé et qui a porté ses fruits. Je pense qu'à la longue, on va emballer les autres pour que nous puissions en tout cas atteindre les objectifs. Quelle est votre relation avec l'autorité locale en dehors des quartiers et rues, au niveau communal, vous avez quelle relation? Non, en tout cas, les relations sont très bonnes. Bon, au début, vous savez, c'est toujours un peu difficile, mais actuellement, comme l'autorité a découvert en réalité ce que nous sommes en train de faire, en tout cas, elle nous appuie. Donc, madame la bourgmestre de la commune de Kitambo, elle est derrière nous, elle nous appuie et nous faisons vraiment un corps. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, nous allons vraiment travailler sur un programme, pas seulement une initiative de salon, mais vraiment un programme approfondi sur l'assainissement au niveau de notre commune de Kitambo et avec la bénédiction de l'autorité. Alors, ce projet que vous avez été financé par qui? Mais c'est comme je vous l'ai dit. Pour le moment, c'est une initiative citoyenne. C'est la communauté et qui s'emballe, qui s'implique pour pouvoir... en fait, qui ne s'est pas en charge. Mais vous savez, à un certain niveau, il y a des choses que la communauté ne pourra pas faire. C'est pourquoi nous avons fait le pas pour que l'autorité voie ce qu'on est en mesure de faire et qu'à son tour, qu'elle puisse aussi jouer son rôle. Ça, c'est l'une des actions de votre ONG que vous lancez sur le terrain. Qu'est-ce que vous constatez ou qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté? Bon, pour le moment, comme vous le savez, comme c'est une activité citoyenne, donc il faut impliquer la communauté. Bon, d'une manière générale, elle répond, mais avec un peu de lenteur, d'autant plus que bon, les gens ont perdu des bonnes habitudes. Mais avec une constance dans les actions, on pourra réussir à pouvoir emballer. Parce que pour nous, la force, c'est vraiment la communauté. Si vous demandez l'argent à la population? Bon, demander l'argent dans le sens de contrepartie. Bon, non. L'URPR. Non, contrepartie, non. C'est-à-dire que nous avons un projet que nous présentons à la communauté. Et la communauté, en s'appropriant le projet, n'est-ce pas, trouve que bon, je peux apporter je peux apporter 1000 francs pour mon bien. Donc voilà, c'est dans cet aspect-là. Est-ce que vous sentez vraiment que la population s'est appropriée du projet? En tout cas, par rapport à la journée d'aujourd'hui, nous sentons que c'est positif. Parce qu'il y a eu, il y a quelques jours passés, des initiatives, mais bon, la sensibilisation n'était pas vraiment adéquate. Mais pour l'action d'aujourd'hui, nous avons vraiment travaillé sur la sensibilisation et nous voyons que la réaction, en tout cas, est beaucoup plus meilleure que le jour passé. Donc, c'est vraiment prometteur. Qu'est-ce que vous demandez à toutes les organisations qui travaillent dans ce secteur, au gouvernement provincial certainement, parce que ça c'est une action aussi que l'État devrait appuyer activement? Qu'est-ce que vous leur demandez?
Moi, ce que je demande au gouvernement provincial, c'est de voir l'action qui nous peut être au niveau de la base, au niveau de la communauté. Oui. Parce que si au niveau de la communauté, des initiatives comme celle-ci sont appuyées, et si elles se multiplient à travers les communes, à travers la ville entière, il y aura beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de résultats par rapport. Parce que si la population elle-même, qui est producteur de déchets, ne s'implique pas, eh bien, tout ce qu'on fait, ça n'aura pas d'impact. Un dernier message. Bon, nous remercions nos amis de journalistes que vous êtes pour votre accompagnement dans ce que nous sommes en train de faire. Et nous lançons l'appel encore une fois de plus à nos autorités de voir ce que nous sommes de faire sur le terrain et de nous appuyer afin que nous puissions voir l'action non seulement être bénéfique à ce niveau, mais pour toute la commune et toute la ville province de Kinshasa. Bisous, merci, M. Alain. Merci, M. Alain. C'était pour nous un réel plaisir de descendre sur le terrain parce que vous nous faites toujours plaisir de vos observations, surtout ce que vous voulez et qui est la réalité du environnement et conservation de la nature, descendre sur le terrain et remarquer ce qui s'est fait parce que nous avions promis que nous passerons dans les différents quartiers. Aujourd'hui, nous avons choisi les quartiers jamaïques dans la commune de Kitambo. Réellement, nous avions surpris quelques organisations qui travaillent dans ce secteur et nous voyons les actions du terrain. Réellement, c'est ce que nous encourageons parce que c'est tout citoyen qui doit s'impliquer pour la réalisation, pour la concrétisation de la vraie vision d'assainissement. Parce qu'assainir votre environnement, c'est rendre aussi la vie facile, surtout
préserver votre vie à diverses maladies. Mais vous avez la responsabilité parce que ici, l'assainissement commence par nous-mêmes. Avant d'aller voir les autorités locales, au niveau national, pourquoi pas au niveau international, parce que des fois aussi nous lançons des offres pour que nous puissions être appuyés par les uns et les autres. Donc nous sommes certainement bien comprise par cette émission, parce que votre émission équistique descend toujours sur le terrain et les rendez-vous, ce sera dans votre quartier. Nous attendons aussi une action plus concrète que ça. Si vous avez aimé, dites merci à Gino Selimani qui était derrière la caméra, à Rodrigue Bonda, Jobassa et Cédric Lesumbu qui nous ont permis d'arriver chez vous. Mais quant à nous, nous vous retrouvons prochainement dans une autre émission. Les numéros sont affichés au bas de l'écran. Vous pouvez aussi nous suivre par notre voix en ligne, RTL Tropicana TV, sur YouTube. Vous allez avoir toutes ces informations possibles et surtout, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas parce que nous sommes là pour vous. Alors, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur la télévision verte. Au revoir.